Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Genurix, on se retrouve sur Aseto Corsa et je vais vous faire le tuto de Shutoku plus le trafic, comment mettre le, donc ce, ben ce fabuleux circuit, les autres circuits même sur Assetto Corsa. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est aller chercher les, les, les fichiers. Donc pour ça, vous allez ouvrir votre bibliothèque de Steam. Vous allez faire un clic droit sur Aceto propriété. Vous allez tomber sur euh, sur cette page là. Vous allez faire parcourir. Tac. Voilà. Donc vous êtes ici. Et nous ce qui va nous intéresser en fait, c'est le dossier content. Voilà, c'est ce dossier là. Vous cliquez dessus. Et dessus, vous allez avoir un dossier track. Donc là, quand vous cliquez, vous allez retrouver tous vos circuits dessus. Voilà. Vous voyez, Shutoku, il est là. Revival. Donc si vous désirez euh, glisser le fichier Shutoku Revival Project euh, dans le... Euh, quoi, le, 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 le fichier téléchargé dans le dossier. Donc, ce sera dans Track sans faire par Content Manager, mais je vous le déconseille fortement. Quoi. On parlera de Content Manager juste après. Et euh, pareil pour les voitures. Euh, les voitures, vous les avez ici. Car, donc, si vous voulez rajouter des voitures, tout est là. Donc, là, moi, j'en ai rajouté énormément de voitures modées. Puis vous voyez, on peut voir également les trafics. Voilà. À savoir que si vous avez Content Manager, les voitures, je vous déconseille fortement de, euh, de les glisser ici, voilà, parce que je vais vous expliquer plus, plus tard. Parce que moi, j'en ai glissé, j'ai eu quelques soucis quand j'ai lancé le jeu sans Content Manager. En fait, voilà, j'ai des euh, voitures, une voiture qui bug que j'ai dû retirer. Bon, c'est pas c'est pas bien grave. Donc je répète, hein, nous, les fichiers qui vont nous intéresser, c'est celui-ci, d'un content, et c'est cars. Voilà. Et vous savez que vous avez toutes vos voitures. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est euh, de repérer euh, le, le, euh, votre, votre fichier source. Voilà, parce qu'on va s'en servir. Hein. Alors. Une fois que, que vous avez repéré votre fichier source, on va parler de, de content manager en fait. Voilà. Donc vous vous retrouvez sur cette fenêtre là. Euh, voilà. Shoot rival project. Ici c'est euh, voilà c'est vraiment le 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 discord du développeur. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est track, euh, track, track download. Là, ici voilà donc là en fait vous allez avoir tout le tuto pour pouvoir euh, installer euh, content manager donc content manager donc pour l'instant ça on va pas trop euh, s'en occuper on va prendre cette type installation voilà euh, et vous avez content manager voilà, requiert mode content manager, vous l'avez ici. Ok, donc vous cliquez dessus sur Content Manager ici et ça va vous amener directement. Vous allez tomber sur cette page là. Voilà. Donc vous pouvez la traduire, hein. vous faites euh, clic droit. Traduire en français. Et comme ça vous avez toute votre, votre traduction qui est faite, et vous allez comprendre un petit peu de, de, de quoi ça parle en fait Content Manager c'est le gestionnaire de mode alors moi je trouve vraiment génial ce, ce gestionnaire de mode parce qu'il va vous mettre les modes aussi à jour vous n'avez pas besoin d'aller rechercher à chaque fois qu'il y a une, une à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'une voiture ou autre vous n'avez pas besoin d'aller le rechercher manuellement sur le sur, les, sur le RISE département Voilà, sur le, le site de de, de, de gestionnaire de téléchargement on va dire. Donc une fois que vous avez fait ceci, ben, il vous dit, hein, il vous explique un petit peu, voilà, mise à jour de ceci, de cela, vous allez cliquer ici, télécharger, voilà, vous le téléchargez, une fois qu'il est téléchargé, vous l'ouvrez, et vous voyez, donc vous l'avez ici, Content Manager, vous cliquez dessus, Alors moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Une fois que vous l'avez installé, vous allez ouvrir, vous allez tomber donc sur la fenêtre de Content Manager. Voilà, et c'est là où je vais vous expliquer un petit peu où c'est que je vais en venir. Voilà, vous tombez sur cette page-là. Donc moi je vais aller sur Solo. Donc vous allez tomber, vous, sur cette page ici. -là. Une fois que vous tombez sur cette page-là, vous allez voir en fait, euh, ils vont vous dire que vous avez la version light. Si vous voulez déverrouiller euh, la version pro, alors moi je vous conseille fortement de déverrouiller la version pro parce que dans la version light, vous n'allez pas avoir tous euh, tous ces paramètres-là. Que... On a tous les paramètres qui sont ici, qui sont là. Vous, voyez, vous faites paramètres et vous allez pouvoir donc changer. Tout ce que vous voulez donc moi je vous explique ce que je sais parce que euh, je le maîtrise pas encore totalement quoi veillez bien à avoir la même direction de content manager voilà content manager il faut qu'il ait la même direction que de votre jeu qui, qui a été installé d'accesso corsa ce qui est super important voilà comme ça il euh, n'y aura pas de bug donc une fois que vous avez fait ceci, que vous avez déverrouillé votre version pro qui euh, coûte 5 euros, voilà, c'est pas la mer à boire et euh, voilà, ça vous contribue un petit peu à donner, euh, à aider un petit peu le développeur à avoir fait ce, ce, super, euh, euh, ce super manager. Quoi. Voilà. Une fois que vous êtes sur cette page-là et que vous avez téléchargé euh, votre circuit que vous allez trouver. Donc une fois que vous avez téléchargé votre content manager, voilà, vous avez, il vous donne le, le site de, euh, des modes. Voilà. Race département download. On ne s'en occupe pas. Donc là, pour l'instant, vous avez Content Manager, vous avez WindRar ou 7Zip. Vous n'avez pas 7 zip, vous cliquez ici pour, pour, pour les fichiers. Que l'on qu qu va installer. Donc là, nous, voilà, après il vous explique, il vous fait une vidéo tuto installation, voilà, si vous voulez avoir des compléments. Donc nous, une fois qu'on a fait ceci, on va aller sur track download. Voilà. Donc notre track, il est là. Voilà, vous l'avez ici, notre, le track. Après, le, le, le Discord du développeur est vraiment très bien fait parce que, voilà, vous n'avez pas 50 liens. Vous n'êtes euh, pas anglais, vous allez vous y retrouver largement. Quoi. Vous allez cliquer ici. Voilà, sur Link1. Voilà, ça vous amène sur le, le fichier de téléchargement. Tac. Voilà, vous avez votre fichier qui est ici. Bon, pour moi, il est là. Ici. Voilà, moi, bon, je l'ai téléchargé plusieurs fois. Vous allez le prendre, tout simplement. Alors c'est là où ça va être compliqué pour faire les captures, mais je vais me démerder, ne hein, vous inquiétez pas. Vous allez prendre votre fichier. Alors je reviens euh, sur Content Manager. Alors c'est pas évident quand on fait 50 fenêtres comme ça. Je ne suis pas vraiment habitué à faire des tutos les amis. Hein. Veuillez m'excuser. Euh, Content manager, je l'ai fermé. Non, je l'ai là. Ici. Alors on va le réduire si je peux le réduire. Attends je voudrais te réduire là hop on va le mettre comme ça voilà. Est-ce qu'il va réussir à me capturer les RBS Mes euh, trois fenêtres je ne sais pas. Là, Content Manager non. Alors vous avez vous avez, prenez, prenez votre fichier entier hein, donc il n'y a pas besoin de le non, capture de fenêtre. Là, voilà. Vous prenez votre fichier qui est là. Vous allez le jeter ici. Vous le prenez. Vous ne galérez pas. Hein. Vous le prenez et vous le jetez ici. Voilà. Vous le glissez carrément dans, euh, dans les tracks. Voilà. Dans, dans les circuits. Et après, vous allez voir. Il va se mettre. sur la liste de vos circuits et il veut pas bon vous allez voir vous allez avoir plusieurs circuits et il euh, y en a un euh, je vais vous remettre content manager quand même hop là et euh, parce que en fait quand je le change là ça me change pas les circuits vous voyez, vous voyez plus rien mais moi je vois les circuits une petite fenêtre qui s'est mise voilà ouais. et vous allez voir il y en a un où il y, y a marqué Shibura PA Traffic et celle-là c'est euh, le trafic de Shutoku avec plusieurs vous avez plusieurs euh, plusieurs routes que vous, allez pour, que vous allez pouvoir prendre une fois que vous avez fait ceci <coughs> votre circuit vous allez voir hein, vous allez avoir un petit téléchargement vous allez voir le mode qui va reconnaître le circuit et qui va l'installer automatiquement donc là voilà c'est vraiment la version la plus facile euh, alors je me souviens plus il faut que je je regarde quelque chose ouais alors j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a sur le quand vous téléchargez le le trafic alors, je me souviens plus euh, non le circuit vous avez euh, gratuitement euh, ouais c'est pour le trafic le trafic qui est euh, normalement c'est le second link. Aussi dans, les... Non, dans les extras, là vous allez repartir sur Discord et on... vous allez installer le trafic. Voilà, donc on repart sur Discord, hop, tac, vous allez dans Extra, Track Extra, et vous allez voir que vous allez avoir votre trafic à installer. S'il veut bien. Alors le trafic, il est ici. Voilà, vous avez votre trafic ici. Attention, <coughs> là, il, le programmeur demande une petite contribution en fait. Moi, moi, il me la redemande pas puisque, puisque j'ai déjà donné ma contribution. Hop, non, alors, il me demande pas la contribution. Alors, parce que j'ai déjà, j'ai déjà téléchargé. Voilà, vous allez voir, vous avez une petite contribution, euh, ouais, une misère d'un euro. Voilà, euh, ouais, que vous pouvez faire avec PayPal. Pareil sur le euh, <coughs> Content Manager, vous pouvez le faire avec PayPal aussi. Donc, alors, il y a juste une petite chose quand vous allez télécharger les voitures. Vous avez tout sur le Discord du, euh, du programmeur, hein, vous, vous vous embêtez pas. Donc, on va repartir sur le Discord du programmeur. Voilà, donc on y était. Vous avez car download. Voilà, il, met, il a même mis les voitures qui sont compatibles le, avec, avec, avec son mode. Voilà, vous avez plusieurs, plusieurs voitures à télécharger. Voilà, vous avez une liste de voitures à télécharger. Voyez, oui. voilà. Donc, moi, je les, je les ai toutes téléchargées. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ceci, il faut que je vous explique des petites choses quand même à savoir sur Content Manager hein, que moi, moi j'ai euh, rencontré des petits soucis en fait, qui sont vraiment pas pas énormes, mais euh, qui peuvent venir vous chatouiller un petit peu quand même. Dont j'ai réglé. Hein. Voilà. Vous allez voir, vous allez des fois glisser euh, vos dossiers dedans et euh, il les installe pas, il les charge, il les trouve pas. <coughs> voilà, vous le glissez et en fait il cherche, il ne trouve pas, voilà, c'est un petit peu ennuyant. Alors, vous allez, vous allez faire paramètres, non c'était pas paramètres, c'était euh, ici. Donc vous prenez les trois petits, euh, les trois petits onglets. Si jamais la, le, la technique que je vous dis ne marche pas. Hein. Donc vous prenez les trois onglets vous faites installer depuis un fichier et là vous cliquez sur le euh, sur le fichier que vous voulez installer bon moi je vais pas le réinstaller parce que euh, voilà j'ai fait tous mes paramètres j'ai pas envie que ça me bousille tout vous cliquez sur le fichier euh, que vous voulez euh, voilà que vous voulez installer pareil pour les voitures vous faites exactement la même chose alors les voitures ne les glissez pas voilà, ne prenez pas votre dossier, ne glissez pas dedans parce que ouais, ça marche pas. Moi j'ai essayé, ça marche pas. J'ai beau essayer 50 fois, il cherche, il cherche les fichiers, il trouve pas. Vous, prenez, vous faites exactement la même méthode. Vous allez ici, les trois petits onglets, et euh, vous allez faire installer depuis un fichier. Voilà. Donc, euh, vous allez avoir euh, Grace département. Alors, peut-être dans le track download. Non. Hop. Euh, c'est une installation. Voilà, ici. Vous voyez, vous avez euh, RISE département qui est là. Alors, créez-vous un petit compte, hein. De toute façon, il vous le faudra. Parce qu'en fait, RISE département, c'est carrément une mine, quoi. Vous voyez, vous allez pouvoir. Euh, Installer tout ce que vous voulez comme voiture, hein. download, download, prenez assez tôt. Voilà, Et ici vous voyez, vous avez euh, des voitures, vous avez des skins, des sons, vous avez beaucoup de choses. quoi. Alors, nous on va par exemple sur, vous avez des, des circuits. Vous avez euh, voilà, vous pouvez télécharger énormément de choses, les, les voitures hein, qui sont compatibles avec content euh, manager. Vous voyez, vous avez des, voilà, Vous avez une multitude de voitures, euh, vous avez déjà 24 pages et encore il y a du next. Euh, Lamborghini. Euh. Alors moi je me cherchais une petite euh, 206. Bon normalement on doit avoir le L'affichage, non, là, pas là. Il y a 23 pages, dans c'est tôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas d'affichage ici. Mais bon, parce qu'il n'y a pas... Donc, McLaren, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire ben, je pense qu'on a fait on a fait le tour. Donc j'ai essayé de faire au maximum le plus simple possible. Ça c'est une chose et euh, je pense que j'ai rien oublié quoi. Donc de toute façon s'il y a des choses que vous qui, 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 euh, que vous comprenez pas parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire un tuto simple mais en même temps euh, complet. Donc, c'est c'est pas, pas forcément évident. S'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer dans l'espace commentaire. De me dire votre souci, j'essaierai de vous répondre. Je ne vous répondrai pas. Je vous répondrai par chat. Et si vraiment ça marche pas, euh, voilà, vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, euh, on se retrouvera sur le Discord et, et je vous adorerai. Euh, sur mon Discord à moi de la chaîne, et je vous adorerai à euh, l'installer. Euh, je le ferai avec vous. Donc, euh, on va revenir. Hop, là. Sur Content Manager. voilà, ah, Si vous avez 10 000 fenêtres ouvertes, en fait, OBS, euh, j'espère, il ne ben, il je vous le trouve plus. Donc, voilà, vous vous pouvez glisser vos, vos tracks directement dedans. Voilà. Si ça ne marche pas, je fais un petit récapitulatif. Hop, vous cliquez ici. Installer depuis un fichier. Moi, je fais tout le temps cette méthode. Si vous voulez que je vous explique un petit peu plus tard, j'aurai pas besoin de changer 50 fois de fenêtre et ça me soulagera énormément. Je vous explique un petit peu plus tard euh, ben, les paramètres, comment faire reconnaître, euh, parce qu'il va falloir que vous fassiez reconnaître le, le volant. Si vous avez, quand vous allez voir quand ça va, quand vous allez faire, ben ça va pas marcher. Donc euh, après fouiller quoi. Ah ouais pour le mettre en français vous faites à propos. Euh, et vous allez avoir la langue ici. Vous, mettrez, vous mettez votre... Euh, bon, c'est traduit à 80, 93% c'est traduit. Euh, et vous mettez votre votre jeu. Vous voyez, il est multilangue. Hein. Et vous mettez votre jeu en français. Et je trouve qu'on est bien traduit quand même hein, quand on regarde. Voilà, vous cliquez ici. Et vous mettez votre jeu en français, vous relancez Content Manager, et euh, puis voilà. Alors, moi je vous conseille de lancer Content Manager à chaque fois que vous avez euh, téléchargé, installé un fichier que ce soit de jeu ou de voiture. Relancez toujours Content Manager. Et euh, à chaque fois que vous allez avoir une mise à jour, vous allez avoir un petit onglet par là qui va se mettre pour euh, les mises à jour. Vous pouvez également aussi, mais euh, je me souviens plutôt, je l'ai fait. Euh, vous pouvez également aussi rechercher les mises à jour manuellement. Mais bon, il vous les propose. Donc voilà. En gros, les amis. Et après, vous avez votre trafic. Je vous expliquerai éventuellement aussi parce que je ne vais pas faire une, une vidéo qui dure une heure, ce serait beaucoup trop long. Euh, comme, voilà, vous pouvez changer la couleur des véhicules, vous pouvez faire énormément de choses et sur Content Manager. Voilà, vous lancez le jeu à partir de Content Manager, vous faites go et vous partez en game. On va se laisser sur ça les amis. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. J'espère. J'espère que euh, j'étais assez clair. C'est vrai que mon tuto dure un petit peu longtemps, mais j'espère que voilà, vous allez pouvoir y arriver. Si vous n'y arrivez pas, je vous laisse mon Discord et euh, voilà, on me prend. Vous venez sur le Discord et euh, ben, je vous explique un petit peu les manips qu'il faut faire. On le fait en vocal. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous, on se retrouve. Et vous faites exactement pareil pour tous les circuits, pour toutes les voitures. On se retrouve au prochain numéro. Sachez une chose, c'est que vous êtes les meilleurs. Toujours.